Je veux bien que ceux qui soutiennent Rigobert sont même lorsqu'il est dans le faux, lorsqu'il perd les matchs, viennent me dire comment est-ce que Olivier Kemen s'est déplacé et allé en Russie et allé en France et n'a pas joué la moindre seconde. Olivier Kemen qui évolue à Kayseri Sport. Le dernier match de Kayseri Sport avant le rassemblement des Lions, Olivier Kemen a joué 80 minutes et est sorti sans blessure. Comment Olivier Kemen vient au rassemblement avec les Lions et sort sans jouer la moindre seconde? D'autant plus que Olivier Kemen, c'est le meilleur joueur de l'ère Rigobert Song. Sans risque de me tromper, Olivier Kemen, c'est le meilleur joueur de Rigobert Song. Depuis que Rigobert Song a pris l'équipe nationale du Cameroun, Olivier Kemen, c'est le meilleur joueur. C'est un joueur constant. Chaque match, chaque jour qu'il porte le vert ou jaune, Olivier Kemen, c'est le seul pratiquement qui se donne à fond. Du début jusqu'à la fin. Mais comment est-ce que Rigobert Song fait venir Olivier Kemen et il n'entre même pas au stade? Il ne joue même pas la moindre seconde. Si on gagnait nos deux matchs, on pouvait dire oui, Rigobert Song réellement testait les autres joueurs. Mais quel est le joueur que Rigobert Song a vraiment testé? Franck Magri a joué les mégots. Benjamin Elliott est venu. Il a joué les 5 minutes, 6 minutes. Mais Olivier Kemen était derrière, n'a pas joué. Quel est donc le joueur que Rigobert Song a testé au milieu du terrain après ces deux matchs? Quelle est la conclusion de Rigobert Song au niveau du milieu de terrain? Tu n'as pas fait jouer Olivier Kemen. Aujourd'hui, Olivier Kemen était titulaire avec Kayseri Sport et a joué tout le match, a joué comme faux 10. Olivier Kemen a causé le pénalty. Kayseri Sport a gagné 3-1 avec Olivier Kemen au stade. Pourquoi est-ce que Olivier Kemen n'a pas joué contre la Russie? Contre la Russie, on a perdu 1-0. Pourquoi est-ce que lorsque le match était difficile, Rigobert Song n'a pas mis Olivier Kemen pour élever le niveau? Contre le Sénégal, on a encaissé très tôt à la première mi-temps. Pourquoi est-ce qu'à la deuxième mi-temps, Rigobert Song n'a pas mis Olivier Kemen pour essayer d'élever le niveau et rattraper le score? Olivier Kemen a fini les deux matchs sans frôler la pelouse, sans jouer la moindre seconde. Mais qu'est-ce que Rigobert Song peut nous expliquer? Qu'est-ce qu'il peut réellement nous dire? Pourquoi est-ce que Olivier Kemen n'a pas joué? Aujourd'hui, il a joué 90 minutes. Mais il y a 5 jours, il n'a pas pu jouer. Quelles étaient les raisons? Quelles étaient les motivations derrière le choix de Rigobert Song de ne pas faire jouer Olivier Kemen? C'est malheureux parce qu'on sort avec deux défaites. On est sorti d'une période FIFA avec deux défaites. Deux défaites avec un score difficile à comprendre. Les scores d'un but à zéro, ce sont des scores qui font très mal. Parfois, c'est mieux de perdre 3-0 que de perdre 1-0. Ça fait mal qu'on se dit qu'on pouvait rattraper le score, mais on n'a pas pu le faire. Contre la Russie, une équipe qui ne joue que les matchs amicaux, on a perdu 1-0. Contre le Sénégal, première mi-temps médiocre. La deuxième mi-temps, on pouvait le faire, mais on ne l'a pas fait. On est sorti avec 1-0 encore, mais le meilleur joueur était derrière. Je dis bien le meilleur joueur de l'ère Rigobert Song, c'est Olivier Kemen. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué ces matchs?